La cadence des appels. Vidé, invitant. Mais je peux seulement regarder fixement avec des yeux envieux. Il grince et soupire, comme pour plaindre des millions d'enfants, comme moi, pour qui les joies sont interdites. Le sujet du travail de l'enfant a toujours fait partie de la conscience sociale et nationale de l'Inde. Outre sa complicité et ses formes variées, le travail des enfants s'est avéré être un problème très répandu, inhérent au cycle de la pauvreté, au chômage et à l'analphabétisme. On estime à presque 6% de la population totale des enfants en Inde qui travaillent. Depuis une vingtaine d'années, l'Inde a accompli un progrès considérable en mettant en application des mesures dans l'intérêt des enfants. Aujourd'hui, le gouvernement adopte une résistance engagée et sans compromis contre le travail des enfants à travers le pays. Une vaste campagne nationale a été lancée pour sensibiliser la société indienne contre le travail des enfants. Cet effort massif est à l'initiative des différents ministères, des services et agences de l'Union gouvernementale, des services des gouvernements des États et des unions territoriales, des agences internationales et organisations non gouvernementales. Des changements se mettent peu à peu en place dans des petites et grandes villes, ainsi que dans des villages. Des enfants sont retirés du travail et envoyés de nouveau à l'école. Ministry of Labour cannot work in isolation because elimination of child labour is not and cannot be the concern of one single ministry or department of Government of India or the state. It has to be the concern of the whole nation. Actually, it has to be a global concern. We need first a positive and proactive international consciousness for elimination of child labour. We need a positive and proactive national consciousness with the involvement of all sections of the society, teachers, students, women, youth, policy formulators, policy implementers, representatives of the people, MPs, MLAs, MLCs. L'engagement des gouvernements successifs en Inde est clairement reflété dans les articles 23, 24, 39 E et F et article 45 de la Constitution de l'Inde. Les initiatives indiennes sont soutenues par le gouvernement de l'Inde et également aidées par des organismes internationaux comme l'Organisation internationale du travail, ou ILO, le projet de développement des Nations unies, ou UNDP, mais aussi par l'UNICEF. The work has been not simply to produce these results per se, but to share these results with the partners, particularly with the government leaders. Who are pioneering this work across India, making sure that proper replication of these experiences is actually undertaken. One thing important in the role of UNICEF is that it assumes that government is the huge partner in this, and without the government we will not be able to move this program across the board. So producing those lessons, producing those holistic approaches are an important part of the constellation, but it's a huge constellation. 10 lois du travail ont été décrétées, en outre, au niveau fédéral. L'Inde est un membre permanent, fondateur et non éligible de l'ILO. 6 des 20 conventions de l'ILO ont été ratifiées. En effet, en 1992, l'Inde était le premier signataire du programme international pour l'élimination du travail des enfants, plus connu sous le nom IPEC.
Depuis, 150 programmes IPEC ont été mis en application au profit de près de 200 000 enfants. At the moment, India has the largest ILO IPEC program from any country in the world. It's a jointly funded program by the government of India and by the United States Department of Labor. We call it the INDOS Child Labor Program. That is a program that specifically addresses the most hazardous forms of child labor. And they have been identified, and in the 20 districts in four states in India, that program works very directly in close consultation and collaboration with the NCLP, as well as with the Education for All program, in identifying these children, taking them out of work, and placing them in the schools, and making sure that after they've been through the bridging schools, they find a place in the regular government schools. La justice indienne a joué un rôle important dans le combat contre le travail des enfants. Dans les années 80, la Cour suprême a facilité une utilisation du processus légal plus dynamique, multidimensionnel, en ouvrant les palais de justice aux litiges d'intérêt public. Ceci a facilité l'accès des palais de justice aux individus et groupes les plus pauvres. Dans son jugement de 1996, la Cour suprême a déclaré que l'emploi des enfants dans les usines d'allumettes de Shivakasi était une violation flagrante de l'article 24, qui interdit entre autres l'emploi des enfants dans les usines. Le jugement a souligné non seulement le besoin de retirer des enfants du travail, mais également le paiement d'une compensation de 20 000 roupies par enfant, de l'emploi d'un membre adulte de la famille comme solution alternative et de la création d'un fonds d'aide à la réhabilitation des enfants qui travaillent. A very clear and landmark judgment is there. It has shown the way to the government of India as to how to rehabilitate the children working in the hazardous industries, how to collect money, and as to how to create a child welfare fund at district, state, and national level, and what measures should be adopted to educate children and rehabilitate them. Au loin, un oiseau chante et s'élève dans le bleu. En un instant, mon cœur me fait pousser des ailes, mais on me rappelle à des choses amères. Dans toute l'Inde, des efforts sont faits pour endiguer le cycle infernal de l'analphabétisme, de la pauvreté et du chômage. À cet effet, le gouvernement de l'Inde a lancé divers plans au niveau national pour générer des emplois, la formation de la jeunesse et le développement pour les femmes et les enfants. En outre, la campagne de Sharva Shiksha Abhiyan, ou d'éducation pour tous, a été lancée pour assurer le droit du libre accès, du maintien et de la participation de tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans à l'école publique, en accord avec l'article 45 de la Constitution indienne. Dealing with child labor is, in essence, a larger development agenda. And therefore, we've been working on various aspects that go over and above what is happening in the National Child Labor Program, to try to reinforce that program and to make it even more relevant. And these are measures that concentrate on parents, increase their capacity to earn a living by working with women in self-help groups, something that works
well and is an established practice in the country, in many parts. Work with parents to open their scope for self-employment so they can earn a living, either on their own or by increasing their skills so they can find a job in paid employment, or at least earn a living by working for somebody else. And developing skills programs or skills development programs that are relevant for the children who have learned the basic skills that are being taught in primary schools. La politique nationale sur le travail des enfants, adoptée en 1987, a marqué un tournant dans le combat du gouvernement contre le travail des enfants. La politique s'est concentrée sur des programmes de développement général en créant un plan d'action constitutionnel et législatif. Les composants les plus importants de cette politique sont les plans nationaux sur le travail des enfants, ou NCLP. Les NCLP prévoient la réinsertion des enfants retirés du travail par l'éducation, l'alimentation, les contrôles de santé et la formation. Le nombre de projets est passé de 9 à 150 en janvier 2004 et doit atteindre 250 avec le 10e plan. Presque 250 000 enfants ont été retirés du travail et ont été réinsérés dans plus de 30 000 écoles spécialisées grâce aux projets nationaux sur le travail des enfants. I find there has been gains over the last few years from 87 at the initiation of the NCLP. I believe there are building blocks from which we could make this program even more efficient, even more effective, scaling up. Our role in there would be to produce holistic grassroots level experiences that can be promoted and replicated. Our other role would be to ensure that in this sort of perspective nationally, that the role of administrators, local NGOs, as well as other civil society partners beyond the employers and the families and children are fully factored in, because we feel the experience tells us they are very, very important. Depuis plus de 25 ans, l'État indien méridional du Kerala a produit un effort important sur l'éducation primaire. En 1989, le gouvernement indien a lancé la campagne d'instruction générale dans la région d'Ernakulam au bénéfice de 200 000 personnes âgées de 6 à 45 ans. L'expérience a été reproduite dans les 13 autres régions de l'État et par la suite dans plus de 400 régions à travers l'Inde. Aujourd'hui, l'État du Kerala est 100% lettré et la quantité d'enfants travaillant est minime. Déjà, mon élan réjouit de penser que certains dans ce monde peuvent m'enlever vers les cieux, les ailes libres déployées. It's only when they are in school, we know that they can be protected. And you know, school is a great institution, and I think we should all participate in seeing that children go to school and making that institution happen and believing that it is possible. Donateur de Ramon Mashesheh, Shanta Shina a fondé la fondation Mamidi Pudi, Venkat Rangaya ou Fondation MV avec l'aide du gouvernement indien. La fondation a créé des écoles en relation avec le projet national du travail des enfants dans le district de Rangareddy de l'État indien méridional de l'Andhra Pradesh. Cela a remporté un franc succès concernant l'élimination du travail des enfants dans une des régions les plus affectées en Inde. Aujourd'hui, ce projet s'est étendu à 8 autres districts de l'État. Utilisant le concept innovant du camp accessible, la fondation MV a changé la vie de 250 000 enfants. Des camps
comme celui-ci pour filles, sont installés dans des anciennes fermes de poules, maisons d'enfants, durant les mois d'été. Les enfants viennent des villages voisins pour participer au camp, ce qui les prépare à une instruction régulière, avec notamment des cours d'enseignement et d'apprentissage. Bridge course was not an isolation of the community. That you will have to first of all mobilize community to bring the child to a bridge course. Then you have to provide bridge not only for the child, you have to provide the bridge for the parent to accept that the children will not be working, provide a bridge for the schools to accept that older children will come. So the bridge course was for the society as a whole. It's meant for the child, but I think it's meant for everybody to accept that they will no longer employ children. Dans le district d'Adilabad, un garçon de village appelé Deepak Thibaut, qui enfant travaillait dans le secteur agricole, a lutté contre l'opposition de sa famille à l'envoyer dans une école d'enseignement et d'apprentissage gérée par la Fondation MV. Il était si convaincu par les avantages de recevoir une éducation qu'il a commencé à enseigner dans l'école primaire du village, qui n'avait plus d'enseignants depuis plusieurs années. Il est maintenant enseignant titularisé par le gouvernement grâce à une pétition des villageois parvenue à l'administration du district. Aujourd'hui, Thibaut partage son temps entre enseigner à 40 enfants et étudier pour ses examens d'études secondaires pour adultes. जैसा कि मुझे भी फाउंडेशन में ले गए उसी तरह का उनको मोटिवेशन करके फिर भी मैं पांच छह बच्चे के यहाँ के जैसा मुझे ले गए तो मैं ना ये अपने वॉलंटियर्स लाए नहीं लाए वॉलंटियर्स नहीं भी बोले तो भी भाई जो है सो वो बच्चों को मोटिवेशन करके फिर भी कैंप में मैं ज्वाइन करा ऐसा एक मेरा उद्देश्य मैं कुछ बच्चों को ऐसा ज्ञान देता हूँ सर उत्तर प्रदेश l'état le plus peuplé de l'Inde. Le Centre de l'Action pour l'Éducation et le Développement en Milieu Rural, ou CREDA, est un autre succès à l'initiative indienne, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Opérant à Mizarpur, région orientale de l'Uttar Pradesh, cette ONG est parvenue à retirer près de 60 000 enfants du travail. Elle s'occupe d'écoles d'enseignement et d'apprentissage dans des villages isolés près du district, qui est également le plus grand centre de tissage de tapis en Inde. Au début, l'action du CREDA a dû faire face à de fortes résistances des fabricants de tapis. Mais cette ONG a su mobiliser l'appui de la communauté. Aujourd'hui, plusieurs villages ne comptent plus d'enfants au travail et les enfants, filles comprises, vont à l'école publique. Rencontre avec Atmaran. Dans un an, il obtiendra un diplôme d'ingénierie. Il est le premier d'une population de plus de 300 000 personnes. Il y a 10 ans environ, Atmaran tissait des tapis pour moins de 5 dollars par mois. Sa vie a changé quand les volontaires du CREDA ont convaincu ses parents de l'envoyer dans une des écoles d'enseignement et d'apprentissage, et par la suite dans une école publique. Aujourd'hui, Atmaran est un modèle pour les enfants de son village. शिक्षा से फायदा है जैसे कि हम पढ़ लिख लिए तो अपने परिवार के विकास करेंगे फिर इसके बाद इस क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं और जो है आप दोनों के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं हमारे देखे देखे पीछे वाले लड़के भी पढ़ सकते हैं À Jaipur, dans le Rajasthan, beaucoup d'enfants ont été utilisés dans l'industrie très risquée du découpage des pierres précieuses. Le gouvernement indien a appuyé l'action des organisations non gouvernementales dans la région avec un projet d'aide aux subventions. En étroite collaboration avec le Projet national sur le travail des enfants et le gouvernement d'État, les ONG sont parvenues à motiver les parents musulmans conservateurs d'envoyer leurs enfants à l'école avec l'aide des volontaires de la même communauté qui ont organisé des visites régulières. Ceci a aidé
plus de 50 000 enfants à Jaipur et dans ses environs. Ce qui est remarquable est que les ONG sont parvenues à convaincre des parents d'envoyer leurs filles à l'école. Aujourd'hui, presque la moitié des enfants allant à l'école publique sont des filles. En Inde centrale, le gouvernement d'État a commencé le plan de garantie à l'éducation en 1996. Le gouvernement d'État a garanti la création d'une école dans un périmètre d'un kilomètre pour chaque enfant dans les zones rurales sous 90 jours. Une pétition des représentants de village fut demandée. Une association de parents professeurs, responsable de la gestion des écoles, a été formée dans chaque village. En moins de 10 ans, le niveau d'instruction dans l'État a augmenté de presque 20%. Ce projet a rencontré un tel succès qu'il a reçu la reconnaissance internationale à Kuala Lumpur en 1998. Des plans, tels que celui du plan de garantie à l'éducation, démontrent clairement l'importance de la participation de la communauté dans la réussite de la mise en place des initiatives gouvernementales. Un autre de ces exemples a été remarqué en Himachal Pradesh. Dans cet état pittoresque, le nombre d'enfants travaillant est faible, ce qui place cet état en deuxième position derrière le Kerala. Comme dans le Madhya Pradesh, ceci est principalement dû à l'intervention très engagée de la communauté. Même dans les villages les plus isolés, où les conditions sont dures, les écoles maintiennent un pourcentage très élevé d'effectifs. Chaque village a une association parents-professeurs faisant partie du conseil de village. Les membres se réunissent régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de leur école. Par exemple, s'il y a un manque d'enseignants, l'association non seulement se charge du recrutement, mais fournit au sein même de ses membres des enseignants à temps partiel. La prise de décision est évidemment plus rapide et la mise en place plus efficace. Je ferme mes yeux et plane dans les airs. Le vent dans mes cheveux, le soleil chauffe ma peau. Je suis heureux et au fond de moi, libéré. Les temps changent et se reflètent dans les actions politiques du gouvernement de l'Inde à créer une véritable prise de conscience et déclencher un changement social, même dans les coins les plus reculés du pays. Deepak Thibaut et Hatmaram ne sont pas seuls. Ils sont beaucoup comme eux à partager les avantages dont ils ont bénéficié. Ils sont les instruments du changement. Et le but du gouvernement de supprimer le travail des enfants pour l'année 2010 semble plus réalisable que jamais. La cour de jeu n'est plus silencieuse. La symphonie des échos de rire partout. C'est la symphonie des chaînes et des liens se brisant. C'est la symphonie de l'enfance, la joie de la liberté.